Laissez-moi vous raconter la légende des Delirius Percussium. Elle est née il y a plusieurs siècles dans le pays de Jugara. À cette époque, des lois très sévères interdisaient au peuple toute manifestation dans les rues. Personne ne devait être surpris à danser, chanter, jouer d'un instrument, défiler ou crier son désespoir. Pour punir sévèrement les hommes qui n'obéissaient pas à ces lois, un groupe de moines au cœur sombre fut créé par les dirigeants du pays. Si un ou plusieurs individus défiaient le pouvoir en place, ces moines imploraient la malédiction du ciel en pratiquant la magie noire. Celle-ci s'abattait sur les êtres humains ayant désobéi et les condamnait à souffrir pour l'éternité. Un jour, quatre hommes partageant la même passion pour les percussions commencèrent pourtant à se disputer et à se battre en public. Dans une autre contrée de Jugara, existait une tribu qui s'appelait les Folium Gangdensis. Cette communauté d'artistes fous ne pensait qu'à s'amuser et à rire. Ils vivaient heureux. Mais les lois sévères commençaient à gagner tout le pays, et cette commune a la cruauté est d'aller dans une forêt magique, connue de tous depuis des siècles, mais que personne, en tout cas en apparence, n'avait jamais osé approcher. Un endroit qu'aucune force du mal ne pouvait atteindre. Commença alors un long voyage. Après avoir marché pendant des jours et des jours, ne s'arrêtant que quelques instants pour boire et manger des fruits au bord des chemins, ils arrivèrent enfin. La forêt de Jugara se dressait devant eux. Ils y entrèrent et marchèrent encore pendant quelques heures. Épuisés, ils trouvèrent une jolie clairière pour y dormir. Le sommeil les gagna très vite. Ils rêvaient. Et dans leurs rêves, ils dansaient et dansaient encore. Ils ondulaient leur corps sur des rythmes fous, des rêves d'espoir. Soudain, l'un ouvrit les yeux, comme attiré par une musique envoûtante. Ni une ni deux, tous se réveillèrent et bondirent. Les Folium Gangdensis ne pouvaient plus attendre. Un élan naturel les faisait danser, et ça n'était plus un rêve. Épuisés par leurs déhanchés et autres ondulations, leurs corps fatigués retombèrent dans un profond sommeil. Sans imaginer que non loin de là, une créature étrange les observait.
Souvenez-vous des quatre humains maudits par les moines pour s'être battus en public. Leur apparence physique avait terriblement changé. Ils étaient devenus laids, le crâne chauve et une démarche courbée. Ils avaient honte de leur visage transformé par la malédiction et se cachaient sous des tuniques noires qui les rendaient très mystérieux. Ils se méfiaient de tout et ne pouvaient s'empêcher de tourner sans cesse la tête à droite, puis à gauche, tant ils avaient peur d'être surpris par d'autres espèces dangereuses. Mais ils ne pensaient plus à se battre. Ils étaient devenus très gentils. Ils vivaient près des courants d'eau douce. Ils avaient choisi l'agriculture et se refusaient à pêcher ou à chasser pour être en paix avec les animaux de la forêt Jugara. Parmi eux, il y avait Migoulom, la créature étrange qui avait observé avec fascination la danse des Folium Gangdensus. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle émotion. Tout en restant sur la défensive, il se sentait attiré par ces danseurs venus d'ailleurs. Migoulom voulut les voir de plus près. Il s'approcha à pas de velours, tout doucement, pas un bruit. Lorsque soudain,